Cette nouvelle vidéo est réalisée pour rendre hommage à Juliette Gréco, dont les obsèques ont eu lieu ce lundi 5 octobre en l'église de Saint-Germain-des-Prés, au lendemain de la Saint-François d'Assise. C'est aussi l'occasion de revenir sur le vote des députés à l'Assemblée nationale, autorisant de nouveau l'utilisation des néonicotinoïdes, puissants insecticides, tueurs d'abeilles et autres pollinisateurs, pollueurs des sols et destructeurs de la biodiversité. Help me please, save the bees, make the world a bee's knees. Help me please, save the bees, make the world a bee's knees. Juliette Gréco, qui avait apporté son soutien à Abeillez-vous en posant avec l'apicultrice LCRS, était une femme subtilement drôle et très engagée, que Didier Varro, en tant que maître de cérémonie des obsèques, a qualifié d'héroïne et muse indomptable. Décédée dans le Var à Ramatuel, qui signifie providence divine, elle affirmait avec force, comme d'ailleurs sa contemporaine et voisine de Saint-Tropez, Brigitte Bardot, présente dans le clip Save the Bees, sa détermination à dire non pour mieux saisir la puissance du oui. La présidente du festival de Ramatuel, Jacqueline Franjou, l'a par ailleurs qualifiée pendant la cérémonie de sphinx, de femme fatale, curieuse, moqueuse et secrète. Elles avaient reçu ensemble, des mains d'Aurélie Filippetti, la Légion d'honneur, en même temps que le directeur artistique du festival, Michel Boujna, qui a bien entendu fait le déplacement à l'église de Saint-Germain-des-Prés, qu'il connaît bien pour y avoir pris la parole aux obsèques de Guy Bedos. C'est par ailleurs Jacqueline qui a pris la photo de soutien de Michel à Abeillez-vous avec l'apicultrice et le CRS en 2009. Catherine Sellac est aussi intervenue pendant la cérémonie et a apporté un précieux soutien à la nièce de Juliette, Julie Amour Rossigny-Chardronnet. L'ancienne animatrice de Théo Café était accompagnée de Claude Cérillon, qui m'avait reçu dans son bureau des coulisses du studio Gabriel lorsqu'il intervenait aux côtés de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Il avait par ailleurs salué le talent de Fred, compatriote nantais. Abdel Malik s'est quant à lui exprimé pour rappeler son amitié éternelle à Juliette. Il a également partagé un moment avec Brigitte Macron, qui a fait le déplacement, tout comme François Hollande. La Première Dame et l'ancien président de la République, tous deux officiellement caricaturés par Fred, sont aussi présents dans le clip Save the Bees. François Hollande était lui accompagné de Julie Gayet, venue la veille, le 4 octobre, au cinéma Normandie, sur les Champs-Élysées, pour présenter Polly avec l'équipe du film de Nicolas Vanier, Mon frère d'elle. Le 4 octobre, c'est donc la fête de Saint François d'Assise, né Giovanni, qui devint Francesco après son séjour en France. C'est dans sa lignée que le pape François a choisi son nom et c'est à lui qu'il fait référence dans son encyclique « Laudato si, loué sois-tu » qui porte le sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune. Je cite le pape François qui parle de saint François d'Assise. « Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. » Simplicité et authenticité sont des mots-clés pour tendre vers plus de sobriété, afin notamment d'éviter les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et conséquentes, comme celles subies dernièrement lors de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. C'est pourquoi prendre conscience des risques systémiques est fondamental. Des choix qui paraissent anodins dans le présent peuvent avoir des conséquences désastreuses dans le futur. Par exemple, réintroduire les néonicotinoïdes ne nuit pas seulement aux pollinisateurs, mais affecte également les sols, l'eau et toute la chaîne du vivant. Le livre de Frédéric Danhé, « Cessons de ruiner notre sol » le montre parfaitement. C'est dans cet esprit que nous invitons le pape François à valider sa caricature et rejoindre
la ruche d'abeilles, vous. La majorité des députés n'ont donc pas écouté l'appel dans le JDD, journal du dimanche du 4 octobre, lancé par Nicolas Hulot, à ne pas voter la réintroduction des néonicotinoïdes. Pourtant, l'argument mis en avant par les betteraviers de la CGB, qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives, n'est pas vraiment pertinent. C'est pourquoi, avec l'agriculteur et entre autres producteur de betteraves converti au bio depuis 2017, Jean-Luc Trenel, qui interpelle ici le président de la République, soutien d'Abeillez-vous, nous les invitons, ainsi que Christiane Lambert et les membres de la FNSEA, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, à venir sur son exploitation dans le Nord, à Vieux-Berquin. Et gageons que les sénateurs, comme ceux de tous bords, qui sont sensibles à Abeillez-vous, fassent preuve de leur légendaire sagesse dans leur prochain vote au Palais du Luxembourg. Pour conclure, reprenons notre hommage à Juliette Gréco avec ses nombreux amis, d'abord ceux qu'elle est partie rejoindre, Boris, Vian et Serge, Gainsbourg, ainsi que Charles Aznavour. Puis ceux qui soutiennent aussi Abeillez-vous et étaient présents à l'église, Zazie, Francis, Lalanne, et celle qui a conclu la cérémonie en chantant « Il n'y a plus d'après » à Saint-Germain-des-Prés, Catherine Ringer, avant que Juliette ne soit accompagnée à la fin de la cérémonie par Mgr Benoît de Cinetti, qui avait par ailleurs célébré en 2017 les obsèques de Johnny Hallyday. Enfin, ceux qui n'ont pu se rendre aux obsèques, comme Lynn Renaud, qui a fait porter une gerbe, Sophie Marceau, qui a en commun avec Juliette une autre version de Belphégor, Marc Lavoine, qui a chanté en duo avec elle, Amélie Noton, qui a écrit pour elle, et Patrick Bruel, qui a comme elle interprété Parlez-moi d'amour. Notre jolie môme a donc quitté Saint-Germain-des-Prés sous la pluie, et avant de rejoindre le cimetière Montparnasse, a fait, sous le regard ébahi de Pascal Nègre, une dernière halte, en solitaire, dans son quartier adoré de Paris, et plus précisément dans la rue de celui qui avait choisi l'abeille pour emblème, Bonaparte. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees. Make the world a bee's knees. Help me please, save the bees. Make the world a bee's knees.